RFM. RFM. Bonjour, bienvenue, nous sommes sur la grande plage de Biarritz pour la 30e édition du Biarritz Quicksilver Maider à Rostegui. Et cette année, c'est avec RFM. Le soleil est là, la mer est juste à côté, on a la plus belle fille de la planète ici, c'est Carolina. Salut tout le monde. Carolina qui va nous accompagner sur le Quicksilver Maider à Rostegui. Et puis plein d'images de surf, évidemment. Exactement. Et là, les surfeurs, ils vont à l'eau, on va regarder quelques images justement de ce qui s'est passé ce matin ici à Biarritz. On fera aussi un petit tour de la plage. Exactement, avec des beaux surfeurs, les filles, ça c'est pour vous. RFM. RFM. Bah en fait, je suis rentré dans le team Rip Curl Europe quand j'avais 13 ans. Là, je suis plus avec eux, mais je suis rentré quand j'avais 13 ans avec eux. Une grosse compète et ça, il y a beaucoup de monde qui l'a fait, du coup tout le monde en parle et c'est bien d'être ici quoi. Mais moi pour moi c'est, je surfe toujours ici et j'adore, je trouve que c'est une ville hyper jolie et il y a la mer, il y a tout ce qu'il faut et franchement c'est ici que je veux rester quoi, je veux pas partir. Nous allons retrouver Robert Rabani qui est à l'origine, qui est le créateur de ce Quicksilver Biarritz Maider à Rostegui qui réunit de très nombreux surfeurs venus de toute l'Europe. Robert, content de t'avoir, 30e édition, ça fait un bout de chemin tout de même. Oui, ça fait un bout de chemin, mais je suis ravi. Pour moi, c'est important d'avoir 30 ans d'édition et surtout d'avoir RFM qui m'accompagne. C'est une histoire, une vieille histoire, une histoire de confiance, une histoire d'amitié. C'est une compétition qui est la plus vieille en Europe, d'une part. Deuxièmement, elle a une date stratégique. C'est la première compétition qui ouvre la saison surfing. Et tous les team managers viennent là pour repérer les jeunes talents. Et c'est l'inverse. C'est les pros qui viennent aux amateurs. Ça, c'est formidable. Je regarde derrière vous quand je vois les vagues qui rentrent. Je remercie les dieux. Parce que c'est pas évident d'avoir une compétition, des vagues, du soleil et puis de très bons compétiteurs. C'est vrai que c'est une compétition très familiale. Oui, c'est une compétition familiale. D'ailleurs, on le retrouve sur l'affiche. C'est un esprit de famille. Et c'est, je crois, que ça qui est très important. C'est les pères qui l'ont fait, qui l'ont gagné, qui transmettent à leurs enfants, aux autres jeunes. Et c'est cet esprit, c'est rester jeune et je crois que ça c'est important. Mais après c'est vrai que ça ramène énormément de monde, un événement comme ça, c'est vrai qu'à Biarritz c'est un petit peu la culture quoi, c'est le surf, c'est... La journée s'achève mais la soirée elle ne fait que commencer avec carrément une nuit d'enfer. D'enfer avec RFM Night Fever en live au Café Café et puis juste après ce sera au Duplex Club et c'est mixé par notre ami Fafa Monteco. RFM. RFM.